voilà. Oui. Discrétionnaires prises par le pouvoir politique depuis 2017, quelles auraient été leurs conséquences en matière de dette publique si on neutralise le passé? Ah, bah ça c'est un peu finalement ce que je disais, finalement les mesures prises en termes de hausse, de baisse, de dépenses, de prélèvements obligatoires sur les années 2017-2023, finalement ça contribue pour 20 à 35% des 911 milliards. Bah c'est ça, c'est 20% de 900. Je ne vais pas faire le calcul, ça fait 180. Voilà, on est entre 200 et 350, 350 milliards. Enfin, voilà, en faisant le calcul de tête comme ça. On peut le retrouver autrement, hein, en calculant la somme de ce qu'on appelle les efforts structurels sur cette période. On arrive à des chiffres qui sont compris. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en fait, je pense que le chiffre est, dans ma fourchette 20 à 35, je pense que c'est plutôt plus proche de 30 que de 20. Quand on fait d'autres calculs, on est plutôt autour de 30, 30% avec les mesures qui ont été prises sur ces années. L'élasticité des prélèvements obligatoires. Monsieur Kahl, je vais vous demander de. Allez-y. Faites une élasticité courte. Elle était prévue par les services de Bercy. Très bien. En fait, ils avaient prévu qu'en 2023, cette élasticité serait inférieure à 1. Je crois qu'ils avaient pris 0,8. Donc, ils avaient vu ce retournement. Ils n'en avaient pas vu l'ampleur. Je précise que ce n'est pas terminé. Et d'ailleurs, dans le programme de stabilité, on a toujours une élasticité inférieure à 1 en 2024 et 2025. Donc l'histoire n'est pas terminée. Merci beaucoup. Donc la parole, M. Cazeneuve, rapporteur général, M. Le Fur. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 à vouloir prendre la parole. Après M. Cazeneuve, je donnerai la parole à notre collègue qui va partir.